Réma, ça a un don de pouvoir promouvoir le ministère. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Casa Réma, c'est notre chaîne. Pour moi, Casa Réma, c'est la réponse de Dieu. Ce que vous pouvez avoir dans 3 ans avec Dieu et Casa Réma, vous pouvez l'avoir dans 3 jours. Voilà pourquoi je suis là. Moi, je suis Casa Réma. Casa Réma, vous passez de l'ombre à la lumière. Je suis Casa Réma. Casa Réma. La montagne des rêves. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que cette émission vous trouve en pleine forme. Et si c'est le jour de votre anniversaire, bah écoutez, joyeux anniversaire à vous. Et plein de bonnes choses, paix, santé et puis tout ce qui suit, en tout cas, au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Témoignage Choc, nous recevons pour vous une servante de l'Éternel, pasteur Jeanne Kizogo. Elle est le pasteur titulaire de l'église évangélique La Colombe de la Famille et des Nations, CFN en sigle, qui se trouve au 6 rue de Risse, 91 170 Viry-Châtillon. Et donc, le numéro de téléphone, les numéros de téléphone se trouvent au bas de votre écran. Donc, si vous êtes à Viry ou aux alentours et que vous n'avez pas d'endroit où aller prier, bah écoutez, dirigez-vous dans cette assemblée où on va vous accueillir vraiment dans la paix du cœur et puis dans l'amour fraternel. Alors, on n'oublie pas que Casa Réma School, on vous a dit qu'il reste plus beaucoup de place, donc on n'attend que vous, Casa Réma School. Du 27 mai au 15 juillet, il y aura un temps de repos, ensuite pour reprendre le 9 septembre au 30 septembre. Et vous le savez, on vous l'a dit, je vous redis encore, c'est chaque samedi de 10h à 14h. Donc c'est des cours intenses avec des professeurs de qualité qui eux-mêmes ont été bien formés. Et pour cette première session, évidemment, on a choisi ces professeurs-là pour pouvoir faire de vous des hommes leaders et des femmes leaders. Donc un homme sans formation, en tout cas, ne sera pas un bon leader. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de choses qui vont de travers, que ce soit dans les foyers, dans les églises, et tout, c'est par manque de formation aussi que les gens font des choses de travers, que les gens ramènent des doctrines de démons dans les églises. Et donc, je pense qu'on sera bien enseigné sur le leadership avec ces professeurs que vous voyez à l'écran. Et donc, au 01 43 03 08 32, vous allez pouvoir appeler pour vous inscrire, vous informer, et nous attendons plus que vous le 27 mai pour démarrer. Voilà. Bonjour, pasteur Jeanne. Bonjour. J'arrête pas de dire Jeannette, je sais pas pourquoi. Oui, j'ai une tante qui s'appelle Jeannette, mais bon, elle c'est Jeanne quand même. Vous allez bien ? Merci, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, et bien bienvenue, hein. C'est la première fois que je vous reçois ici. Oui, c'est la première fois. Ah, ben, je suis ravie de vous recevoir sur mon plateau. Merci. Et j'espère que vous aussi quand même. Oui, je suis très heureuse d'être au milieu de vous. Je suis bénie et émerveillée par rapport à l'œuvre que le Seigneur a placée entre vos mains. C'est vraiment encourageant et je vous encourage. Gloire à Dieu. Bah écoutez, on sera là hein, pour continuer tant que le Seigneur nous prêtera le souffle de vie. Et si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, on sera là. Voilà. Et donc en fait, aujourd'hui c'est témoignage choc. Et dans les témoignages choc, on a des témoignages insolites. On a des témoignages que moi-même, deux fois, j'ai des larmes. Je ne sais pas, votre témoignage à vous, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Vous n'êtes pas devenu pasteur comme ça. Vous avez bien commencé quelque part avec le Seigneur. Votre témoignage, votre parcours, est-ce qu'on peut, moi et ceux qui nous suivent, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi? Je vous remercie. Comme vous le disiez tout à l'heure, je m'appelle Jeanne Kizogo. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, et j'ai 5 petits-enfants et j'ai 58 ans. Waouh, on dirait pas, hein? Ouais. Je suis née dans un village en Afrique, au Gabon, gabonaise. Et j'ai perdu mon père à 15 ans et j'étais encore au collège. Et bien, je voulais continuer mes études et puis je me suis mariée à 17 ans.
Et j'ai fait 10 ans de mariage et j'ai divorcé à 27 ans. Et j'ai laissé un petit garçon de 4 ans et une petite fille de 2 ans. Pourquoi? Parce que j'étais gravement malade et je ne pourrais même pas mieux expliquer jusqu'à aujourd'hui cette maladie. Parce qu'elle m'entraînait aux crises de folie. J'étais dépressive à l'excès. Mais qui était cette personne que vous avez rencontrée, avec qui vous êtes mariée? Vous l'avez rencontrée où, comment? Je l'ai rencontrée, il n'était pas loin, c'était un garçon de ma contrée qui n'était pas loin de chez moi, mais qui avait déjà les moyens, qui était déjà à une haute autorité. Donc, une haute autorité qui veut dire un ministre Non, c'était un ambassadeur. Ok. Donc on s'est marié. À vue d'eux, il me gardait bien, mais quand je suis tombée malade, je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'est comme si vraiment la maison était hantée. Je ne dormais pas bien. Je me réveillais avec des cauchemars la nuit. Tout de suite après le mariage ou bien non, quelques temps? On est resté quand même un peu longtemps. J'ai fait des enfants. On est resté 5 ans? On est resté, oui, 5 ans. 5 ans quand sans même. Problème? Sans problème. Après, c'est arrivé, je ne sais pas par comment. J'ai commencé par les maux de tête dépressifs, les maux de tête qui ont duré un mois, deux mois, ça continuait. Et puis ce n'était plus les maux de tête, c'était les palpitations, ce n'était plus ça, c'était les vertiges. Tout est tombé du coup. Des fois, je me sentais même paralysée, des fois, je ne pouvais même pas me lever du lit. Je faisais des cauchemars. Mais il faisait quoi, monsieur? Il cherchait quelqu'un, il m'amenait à l'hôpital, et bon, il se débattait pour nous, on voyait qu'il me soignait vraiment. Mais c'est quand on a visité, quand on est parti consulter un psychiatre, qui était vraiment un Béninois, qui faisait d'abord les pratiques avec son père à l'indigénat, et qui nous a expliqué que quand il a fait les études, il voulait vraiment expérimenter cela scientifiquement. C'est pour cela qu'il connaissait quand même quand il y a des personnes qui ont des maladies mentales venaient, il pouvait discerner si ça vient vraiment, si c'est normal ou s'il y a d'autres choses derrière, il y a des choses mystiques derrière. Donc dans mon cas, il avait discerné qu'il y avait des choses mystiques derrière, donc il m'avait conseillé de partir de là. Si je reste là, je vais mourir à petit feu. Donc lui, il avait vu avec l'œil spirituel. Avec l'œil spirituel, l'œil mystique. Donc c'est ce qui s'est fait, on s'est séparés et quelques temps après, vraiment, je retrouvais un peu la guérison. Quand il vous a dit en fait que voilà, il y avait des choses mystiques, donc pour lui, selon lui, c'est que votre mari voulait. Oui, il nous a appelé. J'allais tout le temps. Il m'a donné un traitement pendant 6 mois. Après, un jour, je suis repartie pour reprendre le même traitement. Il m'a dit comprimés ou bien des choses à base de plantes. Des comprimés. C'est un médecin, c'est un psychiatre. Il me donne les comprimés qui m'endormaient vraiment. Donc. Il a dit, il faudrait que je rencontre votre époux. Comme ça, je vais lui dire ce qu'il y a pour moi, c'est quelque chose d'autre. Et en face, il lui dit carrément, vous savez, monsieur, cette petite fille est encore jeune. La femme, c'est votre mère, la femme, c'est votre épouse. Cette maladie-là, vous y êtes pour quelque chose. Il lui a dit comme ça? En face. Et vraiment, il a fait comme s'il n'entendait pas. Nous sommes sortis, je suis revenue. Et quand je suis revenue, je dis, docteur, vous avez oublié de me prescrire le traitement. Il m'a dit, non, normalement, vous n'êtes pas malade. Si vous partez de là, vous allez guérir. J'ai dit, mais moi, j'ai mes enfants. Il m'a dit, qu'est-ce que vous préférez? Que vos enfants entendent que vous êtes morte ou bien que vous entendent que vous vivez quelque part. Donc, il fallait prendre cette décision. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a aidée et je suis sortie de là. Et j'ai commencé vraiment... Donc on peut préciser qu'à cette époque-là, vous ne connaissiez pas encore le Seigneur. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Mes parents étaient catholiques. J'ai oublié, mon père est mort à 15 ans. Donc mes parents étaient catholiques. Je connaissais que les catholiques. Donc je priais notre Père, la Vierge Marie. Et on s'est séparés. Je ne connaissais pas le Seigneur. Après, comme je commençais à avoir un peu le soulagement, j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça, mes parents sont pauvres, je vais repartir à l'école. Et donc, je me suis inscrite à l'université au Gabon. Donc, c'est là où j'ai rencontré un groupe d'étudiants qui parlaient de Jésus, qui disaient que le Seigneur pouvait me guérir. Donc, ils m'ont fait accepter Jésus, j'ai commencé à prier avec eux. Et la guérison a commencé, elle était lente, mais après 4 ans, la guérison a commencé.
Mais après, là, j'ai commencé à travailler. Et pendant que je travaillais, je voulais vraiment monter en grade. J'ai demandé à venir faire un stage ici en France. Je suis arrivée, j'ai commencé mon stage. Et là, j'ai cherché les églises. Et là, j'ai trouvé une église et j'allais dans cette église. C'est à partir de là que le Seigneur vraiment m'a appelée. Et le Seigneur m'a appelée. Et quand le Seigneur m'a appelée, c'était vraiment fort en moi. Je suis partie moi-même seule en Israël. C'est pourquoi aujourd'hui, j'organise même les voyages en Terre Sainte. Il y a un pèlerinage que j'organise cette année. C'est du 15 juillet au 24 juillet qui va se produire là parce que le Seigneur m'avait parlé là-bas en Israël, à Jérusalem. Donc, au retour de là-bas, mes amis et mes frères dans le Seigneur au Gabon m'ont conseillé d'aller se faire former aux États-Unis par rapport aux visions que j'avais. Donc, je me suis formée pendant 3 ans et j'ai commencé le ministère à la maison. Eh bien, pendant que j'étais à l'université au Gabon, j'avais rencontré un jeune étudiant. Donc, on s'est retrouvés en France ici. Donc, on a commencé à vivre ensemble. Et quand j'ai vraiment bien compris être convertie, j'étais déjà convertie, je ne pouvais plus rester dans le péché, on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, il est parti faire sa vie. Et moi, je suis partie faire ma vie avec le Seigneur. C'est quelques temps après qu'il est revenu dans le Seigneur. Et il a dit que vraiment, c'est moi sa femme, la femme de sa vie. Eh bien, on était dans le Seigneur. On a organisé le mariage, on s'est mariés. Et quand on s'est mariés, une semaine après, il est parti avec une autre femme. Wow. Et c'était vraiment, vraiment... Qu'est-ce que vous lui avez fait? Voilà. Une semaine après, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme? Il avait dans son esprit ce qu'on appelle les liens familiaux. Donc, son père était polygame. Lui, il devait être polygame. Et il a lu dans la parole de Dieu que ce n'est pas interdit, que Salomon avait beaucoup de femmes, que David avait beaucoup de femmes, que Jacob même avait des femmes. Avant de vous marier avec lui, il était déjà, il avait déjà pour habitude d'être un coureur de jupons ou bien... Non. C'est-à-dire qu'il avait l'esprit de célibat, quoi. Non, il n'était pas un coureur de jupons. Il est devenu juste une semaine après le mariage. Il avait déjà cette copine-là. Ils étaient, quand je lui ai dit qu'on se sépare, il vivait déjà avec cette copine. Ah. Maintenant, après, quand ça n'allait pas entre les deux, il a dit non, je préfère retourner avec mon ex. Donc, il est venu me trouver, je lui ai dit, toi-même, tu connais la condition, c'est l'église. On a commencé à aller à l'église, suivre les formations, aller à l'église. C'est pour cela que je donne des conseils aux jeunes filles, vraiment, de faire attention, de vraiment bien prier, et, parce que c'est vraiment délicat. Un mariage, quand quelqu'un a déjà un certain niveau spirituel et l'autre a un niveau très bas, vraiment, ça cause des problèmes. Donc, on s'est mariés. Pour moi, il n'est plus avec l'autre. Il a l'église avec moi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est mariés au Gabon. Une semaine après, il prend le vol. Et il prend le vol. Il va directement chez cette copine-là. Il dit, je vais vous avoir toutes les deux. Je suis d'abord allée épouser celle-là parce que je ne voulais pas la perdre. Mais toi aussi, tu seras ma femme. Donc, comme ça ne pouvait pas marcher, je vous dis, je commençais déjà à prêcher l'évangile parce que je sortais d'une formation biblique. On commençait vraiment à me donner les micros. Et c'était vraiment une blessure interne en moi. Donc, ça a duré 2 ans. Et ce qui était vraiment pénible dans cette histoire, c'est que cette femme m'appelait, elle m'insultait. Des fois, elle venait me menacer. Vraiment. Vous savez, tu prends le mari de quelqu'un et après tu commences à appeler encore la femme pour la menacer vraiment. Vous savez, nous les chrétiens, nous avons vraiment, je le dis souvent, 3 états qu'un chrétien vraiment affiche devant une situation. Le premier, je prends souvent l'exemple de l'eau chaude au contact de 3 éléments. Parce qu'en l'eau chaude boue, si vous prenez l'œuf qui est fragile avant d'être au contact de l'eau... Devient dur. Ça, au contact des difficultés, de fois certains chrétiens deviennent durs. Moi-même, j'étais devenue vraiment très dur. Très dur. De fois, on oublie même le Seigneur. Ensuite, la deuxième étape, c'est que les patates au contact de l'eau chaude, les patates sont dures,
mais au contact de l'eau chaude devient épurée. Les chrétiens ne font que pleurer. Ça pleure dans tous les sens. Mais le Seigneur ne nous demande pas de pleurer. Nos larmes ne peuvent rien apporter. Mais le Seigneur demande de lui faire confiance. Parce que rien ne peut arracher ce que Dieu t'a déjà donné. Personne. Aucune personne sur terre ne peut arracher, ni les démons ne peuvent arracher ce que Dieu t'a déjà donné. Et je me suis basée là-dessus. Je me suis mise vraiment à genoux dans les pleurs. Nous devons pleurer devant le Seigneur, pas devant les situations. Et une autre situation que vraiment, une autre étape que nous devons vraiment exprimer dans l'Église, c'est quand l'eau chaude est au contact du café. Vous savez, le café est noir. Et quand tu mets le café dans l'eau chaude, le café d'abord change la couleur de l'eau. Et puis le café dégage une bonne odeur. Je pense que devant les situations compliquées, nous devons savoir que le Seigneur va agir et rester dans la louange et l'adoration. Donc ça a duré pendant 2 ans. 2 ans, je pleurais et je tenais ferme. Et quand j'ai changé, j'ai commencé à être dure. Après, j'étais vraiment comme de la patate, je pleurais tout le temps. Je croyais que le Seigneur m'avait abandonnée. Ensuite, le Saint-Esprit lui-même m'a formée. Par des frères, par les enseignements. Jusqu'à un frère, j'étais dans le métro, tête baissée, je ne regardais pas les gens. Il y a un frère qui m'a secoué, m'a dit, « Ma sœur, tout ce que je peux te dire, ne laisse pas le diable s'asseoir au trône. » C'est-à-dire, ne laisse pas cette femme du monde-là se rire, acclamer son Dieu pour toi. Et je me suis décidée. J'ai dit, « Seigneur, uniquement pour toi, pour Jésus-Christ. » Je ne donnerai pas la honte en ton nom. Qu'on dise qu'une femme du monde a arraché le mari d'une servante de Dieu. Et je me suis mise vraiment dans la prière. Et je vous dis qu'il est venu seul. La parole de Dieu est vraiment puissante. J'appelle souvent les femmes qui ont ce genre de situation de venir me voir. Rien ne sert de pleurer, de courir à gauche, à droite. Mais nous avons la vie entre nos mains. Si je vous montre les versets que j'ai utilisés pour cela, peut-être vous lisez ces versets-là, mais vous ne les comprenez pas. Mais il y a une chose que j'aimerais savoir. Vous étiez la servante de Dieu, vous prêchiez. Oui. Pendant que vous êtes en train de vivre une telle situation, les messages qu'on apporte aux autres, c'est juste parce que je suis obligée de prêcher ou bien parce que Dieu derrière vous dit, allez, prêche parce que je vais agir. Oui. Quand on passe ce genre de situation, je vous dis, le Seigneur nous utilise. Je vais vous donner un exemple. Des fois, quand je suis malade, je dis, bon, comment je vais faire aujourd'hui? Je dois prêcher. Je suis vraiment malade, mais j'arrive, dès que je prends le micro, la maladie disparaît. Et quand je reviens m'asseoir, je ressens encore les douleurs. C'est pour vous dire que le Seigneur nous utilise. C'est ce qu'on dit, il nous utilise. Donc, le Seigneur me donnait les messages. Je me souviens un jour, il est d'abord venu, parce que les parents l'ont conseillé, il est d'abord venu, il était à la maison, et moi je devais prêcher le matin et l'après-midi. J'ai prêché le matin, j'ai bien prêché. L'après-midi, je suis partie passer midi quelque part, et puis j'appelle la maison, on me dit, il est en train de partir avec cette femme. Et je vous dis que j'étais vraiment cassée. Mais j'ai pris le micro, j'ai oublié tout. Avec le micro, j'ai oublié tout, j'ai prêché. Et quand je suis venue m'asseoir, c'est là où le diable me dit, « Maintenant tu as fini de prêcher, les gens ont acclamé, mais où est ton mari ?» Donc vraiment, le Seigneur veut qu'on le regarde. Il agira pour nous. Et si vous avez cette espérance-là, cette foi-là, que le Seigneur, je suis le Seigneur, je sers le Seigneur, il s'occupera de ma situation et il le fera. Et il le fera très bien. Mais dans quelles circonstances monsieur est revenu? Ce monsieur, il est revenu, il est maintenant dans l'église aujourd'hui. Ils seront même à la réunion des hommes cet après-midi. Il est déjà à l'église avec nous. Il sert maintenant le Seigneur avec nous. Dieu est grand, il peut tout faire. Le Dieu de la restauration, Dieu le Dieu de la restitution. Dieu, le Dieu de la guérison, le Seigneur fera tout pour nous. Il a reçu tout pouvoir et il s'est consacré et il a donné sa vie pour nous. Donc, ces choses-là sont seulement des choses pour nous préparer.
Ça, c'est des choses de la préparation pour aider les autres. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de parler au plateau. Il y a une femme qui traverse la même situation et qui a besoin vraiment de moi pour que je sois à ses côtés, pour l'enseigner, pour l'aider. Comment est-ce qu'il faut s'en sortir? Parce que le plus souvent, quand des choses comme ça arrivent, on croit qu'on se trouve dans un trou. Or, le Seigneur est là. La même personne qui vous a mis dans le trou, la même personne va vous enlever comme les frères de Joseph. Dieu est assez puissant. Et il faut bâtir sur un terrain légal. Si c'est légal, Dieu exauce toutes les prières légales. Amen. Eh bien, donc monsieur, il est revenu, mais c'était comment? Vous avez insisté dans la prière? Oui, j'ai insisté dans la prière. Un beau jour? J'ai insisté dans la prière, ce qui fait que le Seigneur lui-même me montrait les révélations, comment orienter les prières. Donc un beau jour, moi j'étais tranquille chez moi, cette femme appelait toujours. Vous savez, quand elle appelait, moi aussi je m'emballais comme elle, il n'y avait pas de différence. Mais en fait, elle vous appelait pourquoi, puisqu'elle avait le mari avec elle? Je ne sais pas, c'est l'œuvre du diable. Il me disait, c'est pas ton mari, même si vous avez l'alliance. Moi, je me suis fiancée en décembre 2001, et je me suis mariée en août 2002. Mais elle disait que non, c'est son mari. Pas de présentation, pas de mariage, elle disait c'est son mari. Donc elle me menaçait et je ne comprenais rien et je faisais son jeu. Maintenant un jour, elle a encore appelé. Et quand j'avais maintenant, comme je vous dis, l'étape du café, que je savais que Dieu va agir. Parce que Dieu ne pouvait pas me montrer tout ce déroulement avec les versets bibliques à l'appui et ne pas agir. Et elle a encore appelé. Quand elle a encore appelé, je lui ai dit, ma soeur, vous savez, je vous bénis. Je prie maintenant pour que Dieu vous donne un autre mari. Mais celui qui dort derrière avec vous là ne sera jamais, tant que Jésus est assis à la droite au trône de Dieu, il ne sera jamais votre mari. Et j'ai pris cette décision de raisonner comme ça et de croire comme ça. Et quand j'ai pris cette décision avec ferme, ça n'a même pas fait 2 mois. Il est venu seul la nuit, à minuit. Je dormais même déjà. Il est venu tout seul. Je ne savais même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont bastonnés là-bas? Je ne sais pas, je ne peux pas vous raconter. Donc, la porte s'est ouverte. Comme moi, je ne ferme pas la porte de ma chambre, il est rentré, il s'est lavé, il s'est douché. Après, c'est quand j'ai senti le froid à mes côtés que j'ai su que quelqu'un... J'ai dit, ah, c'est qui? Et tais-toi, je suis revenue. Et jusqu'à aujourd'hui. Et on est ensemble, et cette femme-là n'est plus là, ne nous perturbe plus. Nous servons maintenant le Seigneur. Eh bien, c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que pas mal de femmes sont en train de vivre ce genre de situation. Mmh. Et leur seule décision, c'est d'abandonner. Oui. La chose la plus facile à faire pour une femme, c'est de pleurer devant une situation difficile. Voilà, le Seigneur nous dit bien que nous aurons les persécutions et nous devons persévérer. C'est-à-dire qu'il faut tenir ferme. Quand l'apôtre Paul nous parle des armes spirituelles, c'est que nous devons les utiliser. Tu n'utilises pas une arme quand il y a la paix. Là, tu n'utilises pas d'arme pour me tuer. Mais c'est quand il y a un combat, quand il y a une guerre, qu'il faut utiliser les armes. Et vous ne pouvez pas terminer vraiment avec le Seigneur sans rencontrer le diable. Il faut rencontrer le camp adverse. Et c'est au sorti de là. Personne ne va dans la gloire sans d'abord se battre. Si vous voyez que David a eu le trône de Dieu, c'est parce qu'il a coupé la tête de Goliath. Ah ben ça. Il faut affronter. Mais j'aimerais moi savoir, d'accord, il revient tranquillement comme si de rien n'était, comme si on n'est jamais parti pendant 2 ans, oui, et qu'on a laissé la femme toute seule. Oui. On revient, on s'endort tranquillement et tout. Ouais. Moi j'aimerais savoir quand même qu'est-ce qu'il vous a raconté de ce qui s'est passé avant. Mais avant de répondre, on va suivre la pub et après on va se retrouver après. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Bonjour chez vous, c'est Lise Manzambi. Désormais, suivez les programmes de Casarema sur la chaîne OM5 TV. Le vendredi à 19h, les samedis à 12h et les dimanches à 19h. Ne manquez pas, suivez désormais tous vos programmes. Casarema Live, un programme qui transforme des vies. La femme sage, une émission qui restaure la famille. Témoignage choc, une vérité qui vous donne la victoire
sur tous vos combats. OM5TV disponible sur Orange, canal 362, Freebox 477, Bouygues Télécom 449, SFR et Numéricable 907, Câble Antilles Box 51, ADSL 88. Sur la chaîne OM5TV. Soyez au rendez-vous. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Une très très bonne nouvelle dans la métropole. Casarema School, c'est une structure qui est mise en place pour former les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les leaders. Chacun de nous, je crois que c'est un leader. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, chacun de nous, c'est un leader. Si vous êtes là et que vous sentez en vous un appel quelconque au ministère, sachez que Casarema School est à votre disposition. Pendant ces 3 mois, vous allez être équipé, vous allez être outillé, vous allez être loin pour accomplir la mission de Dieu dans votre vie. Le monde évolue, le monde avance très vite. Chacun de nous a besoin d'apprendre, besoin d'être formé. Venez mettre fin à vos limites dans la modération, vos limites dans la prédication. Ce sera le moment où nous allons apprendre sur quoi l'appel de Dieu et comment répondre à l'appel de Dieu. Nous parlerons de l'onction, comment recevoir l'onction, comment gérer l'onction, comment se maintenir dans l'onction. Et vous êtes appelés à conduire. Vous êtes appelés à gouverner, vous êtes appelés à diriger le peuple de Dieu. Tout ceci sans aucune formation, c'est la tragédie. Si vous n'êtes pas formé, vous allez aller à la chute. Mais si vous êtes formé, vous allez réussir. Du 27 mai au 15 juillet, vacances et nous reprenons du 9 septembre au 30 septembre 2017. Nous allons commencer tous les samedis de 10h à 14h. Chaque semaine, vous aurez des enseignements surpuissants. Ne restez pas chez vous. Venez, venez d'être équipé, ce monde a besoin de vous. Nous n'attendons que vous pour commencer cette grande formation, cette première session du 13 mai au 15 juillet. Inscrivez-vous, c'est pour votre bénédiction. Donc j'espère que vous serez comptés parmi les inscrits de Casarema School. Merci. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Eh bien, nous sommes de retour. C'est Témoignage Choc et c'est avec le pasteur Jeannette. Je ne vais pas dire le nom parce que je n'ai pas envie de l'écorcher encore. Kizongo. Kizongo. Voilà. Voilà, c'est super. Alors, moi, je veux savoir. Monsieur s'en va pendant 2 ans. Oui. Et un soir, il se décide comme ça, il revient, tranquille. Oui. Il ne vous a pas raconté ce qui s'est passé là-bas? C'est d'abord un monsieur qui ne parle pas beaucoup. Pour avoir de la qui prend juste des décisions. Il prend juste des décisions. Qui ne parle pas beaucoup, qui est très calme. Donc, il ne prendra pas du temps à vous raconter tout. Il va seulement dire, je suis déjà là. Et moi, je ne voulais pas rentrer vraiment dans ces détails qui me faisaient vraiment mal. Il est là, il faut le pardonner maintenant parce que ça faisait longtemps, je n'arrivais même pas à prononcer son nom. Et j'avais du mal à dire mon mari, mon époux, j'avais du mal. Wow. Mais il fallait vraiment guérir, il fallait chercher à guérir, que rentrer encore dans ce qui me faisait mal au cœur. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit a travaillé. Même quand il est arrivé, il y avait toujours les coups de fil, les coups de fil avec elle et tout. Et à chaque même fois, lorsqu'il est revenu, il y avait toujours des coups de fil avec elle et tout. Et même là, le Saint-Esprit m'avait enseigné un jour. C'est lui qui appelait ou c'est elle? Elle appelait, lui aussi il appelait. Mais il est revenu pourquoi? Voilà. Pour cela, il faut épouser un homme déjà bien converti. Mm-hmm. Bien converti. Ouais. Donc un jour, elle était à la douche et moi j'étais au salon. À chaque fois, il avait toujours son portable. Il ne fallait pas se séparer du portable parce que si elle appelle et que moi je prends le portable, ça va faire des problèmes. Donc ce jour-là, le téléphone a sonné et il était à la douche. Et quand il est sorti de là-bas, avec le savon,
la serviette, j'ai vu une image, mais s'il tombe là, Seigneur, comment ça va se passer? Donc, à partir de là, je commençais à réfléchir que vraiment, le diable est derrière cette affaire. Il faut que je commence à pardonner. Je pense que si je suis guérie, la situation sera aussi... la situation va changer. Maintenant, le Saint-Esprit m'a conseillé que... Il m'a dit, ma fille, je le fais mieux que toi. Donc, je ne touchais plus à son portable. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il laisse le portable, ça ne lui dit plus rien du tout. Parce qu'il fallait que moi, le plus souvent, nous voulons toujours changer la personne qui est en face de nous. Or, si nous changeons nous-mêmes, la personne va changer automatiquement, sans effort. Donc, j'ai commencé à changer, avoir la paix, le pardonner. Et à ce moment-là, il a été changé. Waouh. Voilà. Eh bien, ça, c'est super. En tout cas, c'est... Votre action ou réaction, si on peut le dire comme ça, c'était vraiment une réaction d'enfant de Dieu. Parce que beaucoup de personnes sont des enfants de Dieu, mais la décision, les décisions qu'ils ou elles prennent, c'est « bon, je décide, j'abandonne. Je laisse tomber parce que j'estime que ça ne va pas, je préfère arrêter, je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas prier surtout. Pourquoi ? Parce que j'estime que je n'ai pas la force de prier. » Mais c'est comme si la prière, c'est la chose la plus difficile pour les chrétiens de faire, plutôt que de dire « j'abandonne ». Les gens ont tellement tendance à abandonner tout de suite, alors que je pense que la prière du juste, la Bible nous le dit, a une grande efficacité. Et donc, bah voilà, papa est revenu. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. Vous faites l'œuvre du Seigneur ensemble. Ensemble, oui. Et c'est super parce que le conseil que vous avez donné tout à l'heure, c'est que c'est important pour les jeunes filles qui même des fois m'écrivent et tout ça, qui veulent avoir des conseils. La meilleure des choses à faire, c'est vraiment de prendre un homme qui est converti. Oui. Parce que quelquefois même, bien que les hommes sont convertis ou les femmes converties, il y a toujours des problèmes. Ouais. Mais au moins, le beau-père, c'est Dieu. Ouais. Mais si on tombe quelqu'un d'inconverti, le beau-père, c'est le diable. Et maintenant, vous allez vous en sortir. Ça sera encore plus compliqué. Ouais. D'accord. Donc, moi, je vous invite. Donc, le 10 juin prochain, il y a un événement pour la femme sage et la femme d'impact. Oui. C'est un événement unique, mais je pense que les femmes vont ressortir de là, pas comme elles vont y entrer. Hein. Voilà. Si vous venez KO, vous allez ressortir OK. OK. Donc ça va commencer à 14h30 et ça va se terminer à 17h30. Oui. Donc ça sera avec vous, pasteur Jeanne, et puis avec une autre maman et maman Blanche aussi. Oui, ça c'est maman Blanche... l'invitée. D'accord, maman Blanche, elle est l'invitée. C'est elle l'invitée, c'est elle qui est l'oratrice principale. Et elle est invitée par la responsable des femmes dans notre assemblée, celle que vous voyez à cette disposition. Oui, on a vu sur l'image, ça va revenir. Voilà. Ouais. Donc c'est maman... Maman Teka Matanda, Léontine. Maman Léontine. Voilà, c'est elle qui est la responsable des femmes. C'est une maman très sage, vraiment, qui a traversé aussi des choses et qui a des grands témoignages aussi dans sa vie, dans son foyer. Mais il faut venir ici sur ce plateau, les mamans. Moi, prochainement, je vais vous inviter dans l'émission Les Femmes Sages, parce que je veux vous avoir aussi, et j'aimerais que vous puissiez partager aussi vos expériences dans le mariage, pour aider aussi les jeunes mariés, et ça va faire du bien. Voilà, parce que la Bible le dit vraiment en titre que les femmes âgées, pas âgées que sont déjà vieilles, mais âgées spirituellement, qui ont de l'expérience. Et mûres surtout. Voilà, mûres, doivent enseigner les jeunes femmes comment aimer les maris, et comment aimer leurs enfants, et comment diriger leur maison. C'est-à-dire, nous avons l'expérience sur certaines choses qu'on doit apporter aux jeunes filles. Donc les jeunes filles ont besoin de notre expérience. Nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Si nous laissons nos jeunes filles sans les enseigner, elles ne feront pas des bons mariages. Elles ont beaucoup de soucis. Elles ne feront pas des bons mariages, elles auront trop de soucis. Voire même les divorces, comme vous venez de le dire. Il choisit la facilité, je divorce. Le divorce ne glorifie pas Jésus. Non, parce que la parole de Dieu dit que personne ne les sépare. Quand elle dit que personne ne les sépare, il inclut vous-même. Vous ne devez pas séparer le mariage. Il faut rester, malgré les tempêtes, malgré les vents contraires, la prière fera le reste. Rien qu'à la prière. Il faut se mettre à genoux. Donc, l'événement que nous organisons, c'est la délivrance complète de la femme. Lui dire que même s'il voit les Égyptiens,
comme le peuple a vu les Égyptiens. Mais Dieu leur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mm-hmm. Ça a été la délivrance complète des Égyptiens. Mm-hmm. Et tout ce qui nous perturbe, tout ce qui perturbe la femme... Les termites. Voilà, les termites. Les malédictions générationnelles. Mm. Vraiment, les démons. Mm. Tout ce qui perturbe les femmes, Dieu appelle tout ça les Égyptiens. C'est des mm-hmm. choses passées. Ouais. Et nous ne devons plus les avoir si nous avons Jésus-Christ, le Saint-Esprit avec nous. Mm. Il va nous donner les armes. Mm-hmm. Les armes pour vaincre. Parce mm-hmm. que lui-même, il a déjà accompli toutes choses à la croix de Golgotha. Mm-hmm. Sa délivrance a été complète pour l'homme et pour la femme aussi. Mm. Mais très souvent, maman, les femmes ou bien les jeunes filles d'aujourd'hui, celles qui se marient aujourd'hui, elles se posent la question, elles se disent, mais les mamans avant, elles avaient du cœur pour avoir beaucoup de patience sur un homme qui part et qui revient. Ouais. Et elles étaient là. Elles ne bougeaient pas, elles ne se séparaient pas. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui manquent-elles de patience? C'est par rapport à l'éducation qu'elles sont en train de recevoir. Vous savez, aujourd'hui, là, nous les mamans, nous n'éduquons plus les jeunes filles, nos enfants. Elles reçoivent l'éducation de la télé, mm-hmm. d'Internet, dans mm-hmm. la rue. Donc toutes ces choses-là, elles sont là-dedans, elles ne savent pas faire le tri. Mm-hmm. Nous, on a reçu vraiment une éducation de base, mm-hmm. que la femme doit être pudique, elle doit être sage, mm-hmm. elle doit comprendre les choses. Et quand j'ai retrouvé ça dans la parole de Dieu, avec des femmes comme Sarah, vraiment, l'éducation simple, tu laisses Dieu lui-même faire le travail. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle le repos. Mm-hmm. C'est le repos, le Seigneur lui-même va agir. Tu pries dans le secret. Mmh. Tu es dans le secret nuit et jour pour ton époux, pour tes enfants, mais le Seigneur lui-même fera le travail. Mmh. Ne va pas toi-même au front. Mmh. Si tu vas au front avec un homme, tu vas perdre. Mmh. Parce que depuis Genèse, Dieu leur avait dit qu'ils domineront sur nous. Mmh. Donc vraiment, si tu vas au front, tu vas perdre la lutte parce qu'il est chef. Hein? Donc ça veut dire que le 10, ces femmes qui traversent ce genre de problème, et celles notamment aussi qui veulent se marier, toutes ces femmes-là, on les invite. Oui, oui, on les invite. À venir vraiment écouter le message. Des mamans sages. Oui, des mamans qui sages. Qui vont pouvoir leur faire du bien. Voilà, qui impactent vraiment les jeunes filles. Mm-hmm. Les mamans sages, la sagesse de ces mamans va les impacter. Mm-hmm. Gloire à Dieu s'ils vont suivre. Mm-hmm. Parce que c'est bien beau d'écouter, mais mm-hmm. il faut aussi pratiquer. C'est vrai. Ouais. Eh bien, ça, c'est super. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment venir participer à cette journée parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir des mamans sages comme ça en face et qui vous aident parce que beaucoup de jeunes filles aussi, peut-être, n'habitent plus ou bien n'ont plus de contact avec leur maman ou peut-être que votre maman elle-même, personne n'a pu lui enseigner quoi que ce soit sur le mariage. Ouais. Alors derrière... Elle-même, elle a été peut-être déséquilibrée, mmh. vous l'êtes aussi, et du coup, vous vous retrouvez au front du mariage, ouais. et là, vous ne savez plus quoi faire. Et donc, quand il y a des problèmes, eh ben, la seule solution que les gens trouvent, c'est la fuite. Ouais. Ouais. C'est de partir. Ouais. Mais le problème, c'est que même si en fait, on chasse le naturel, il revient au galop. Oui. Parce que demain, vous allez vous remettre encore avec un homme. Mmh. Mais cet homme-là, il aura aussi un caractère. Bah oui. Donc, du coup, il faudrait aussi trouver une solution. Sinon, ça sera encore le divorce. Bah oui, bah oui. Ce que vous avez laissé de bien ici, mm-hmm. vous allez le trouver de mal de l'autre côté. Mm-hmm. C'est pour cela, si vous avez trouvé, il y a une servante de Dieu qui a conseillé une jeune fille. Mm-hmm. Elle lui disait, vous savez, le diable que vous connaissez est mieux que le diable que vous ne connaissez pas. C'est vrai. Parce qu'il ne change jamais de tactique. Voilà. Voilà. Alors là, aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à la fin. Pasteur Jeanne, le mot de la fin pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être pour les femmes ainsi que les hommes? Parce que moi, j'inviterai les femmes, premièrement, mm-hmm. mais les hommes aussi, mm-hmm. parce qu'ils ont aussi besoin. Parce qu'il y a des hommes mm-hmm. qui ont vécu avec des parents ouais. qui ont maltraité leur maman. Ouais. D'où leur comportement aussi aujourd'hui oui, vis-à-vis oui. de leur femme. Oui, oui. Ils frappent leur femme sans ouais, savoir ouais, ouais. pourquoi. Mm-hmm. Ils ont l'impression peut-être que c'est une forme d'amour parce qu'on tapait sur leur maman. Ouais. Eux aussi, ils trouvent que c'est logique de taper sur leur femme. Ouais. Écoutez vos conseils, je pense que ça va leur faire comprendre que la femme, c'est un être à aimer. Ouais. Comme la Bible nous recommande, aimez vos femmes ouais. et non pas, je ne sais pas moi, un matelas sur lequel il faut taper. Non, voilà.
Vous savez, le problème part depuis le jardin d'Éden, où nous n'avons pas compris que quand Jésus est arrivé, c'était pour la délivrance de l'homme et de la femme et pour nous restaurer à Genèse 1 et 2. Avant le péché, où Dieu les a créés de la même manière, il a dit, il les a bénis les deux, il a dit, soyez féconds les deux, multipliez-vous les deux, dominez les deux. Et donc, comme c'est le mot de la fin, il faut vous adresser à cette caméra et regarder là-bas en vous adressant à un homme ou à une femme. Parce que nous n'avons pas compris que c'est le travail que le Seigneur est venu faire, restaurer l'être humain. Donc, nous devons comprendre que quand la parole de Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », seul, vous n'allez pas accomplir vraiment, vous n'allez rien accomplir seul. Ni l'œuvre de Dieu, ni les choses vraiment, les choses journalières, vous n'allez pas les accomplir seul. Vous serez toujours, je vais dire, vous allez toujours boiter sans le savoir. Mais l'homme et la femme, Dieu nous a créés ensemble pour faire une équipe contre l'adversaire qui est en face de nous, pas s'entretuer. Il n'a pas dit que l'un va taper sur l'autre ou l'autre va taper sur l'autre. Dieu a créé l'homme et la femme dans l'amour. Dans l'amour, et c'est cet amour que nous devons vraiment pratiquer jour après jour. Et cet amour signifie, il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut aimer. Celui qui aime pardonne. Si on n'aime pas, on ne peut pas pardonner. Vraiment. Jésus nous a aimés et il nous a pardonnés. Et cet amour doit demeurer au milieu des couples. Et les enfants vont voir cet amour et ils vont copier, ils vont calquer sans le savoir parce qu'on devient ce qu'on regarde. Vraiment, moi, je prie pour ces jeunes filles et je conseillerais à une femme, une chrétienne qui traverse des situations difficiles, que le Seigneur, avec elle et son mari, reviendra. Son mari reviendra. Certainement. Certainement. Merci. Puisqu'il est Seigneur. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur Jeanne. Donc, on va se retrouver le 10 juin prochain. Donc, c'est l'adresse déjà, rappelez-nous l'adresse. 6 rue des Rices, 91 170 Viry-Châtillon. C'est juste à 2 mètres de la gare. D'accord. Vous prenez la dernière voiture de la gare, du train, excusez-moi, et vous ne prenez pas les escaliers, vous descendez. Viry-Châtillon, c'est quel RER déjà ? C'est le RER D. D, d'accord. Le RER D. RER D, vous descendez à Viry-Châtillon. À Viry-Châtillon, voilà. Vous allez du côté de Pôle emploi, vous ne partez pas vers les escaliers, vous dirigez vers la Seine. Est-ce qu'il y aura peut-être quelqu'un à la gare pour essayer d'orienter les gens ? Nous allons mettre les affiches qui vont diriger les gens vers la salle. Ben, ça sera super. Ok. Ben, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Je suis sûre que ça a édifié une famille, un homme, une femme. Et donc, ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui, Témoignage Choc. Et comme vient de le dire si bien la servante de Dieu, dans le couple, nous sommes dans le même bateau. C'est-à-dire, on partage les galères, on partage les peines, on partage aussi les bonheurs. Alors, souvent les gens disent oui, pour le meilleur et pour le pire. J'ai aimé une fois un serviteur de Dieu, papa Desi Kalala, qui disait que non, pas pour le meilleur et pour le pire, non. Disons plutôt pour le meilleur et pour la vie. Parce que le pire, quand le pire arrive, bien souvent les gens préfèrent fuir plutôt que d'accepter soit la maladie. Parce que lorsque on est en train d'échanger les vœux, vous savez, hein, oui, je t'aimerai, oui, je te soutiendrai dans la maladie, dans la pauvreté. Mais si tu as aimé cet homme par intérêt, quand il n'aura plus d'argent, tu crois vraiment que tu vas rester avec ? Non. Si tu l'as aimé parce qu'il était beau, il était ceci, cela, quand demain il va faire un accident et qu'il n'aura plus de jambes, est-ce que tu es sûr que tu l'aimeras toujours, cet homme ? J'aimerais bien aller très loin, mais le temps nous fait défaut. Mais juste pour vous dire que soyez sûr avant de prendre chaque décision, surtout la décision du mariage, c'est vital, c'est pour toute une vie. Donc ne prenez pas cette décision du mariage à la légère, même si c'est un coup de foudre, le gars il rayonne comme le soleil. Derrière le soleil, demandez-vous qu'est-ce qui se cache. Parce que deux fois, de temps en temps, il y a l'éclipse. Hein. Mais l'éclipse ne dure qu'un temps. Mais le moment où il y a l'éclipse, tout est noir. Alors, est-ce que vous allez accepter ce moment où il y a l'éclipse qui passe dans le mariage ? Si vous n'êtes pas encore prête, en tout cas, moi, je vous conseille, restez encore célibataire. Mais si peut-être que vous avez peur de brûler et que vous voulez absolument vous marier, mariez-vous, mais prenez acte du fait que le mariage, ce n'est pas un engagement, à prendre à la légère. Le mariage, c'est pour les gens qui sont mûrs. Si tu es encore un enfant, reste encore célibataire. Mais si tu penses que tu es mûr et que tu sauras, tu seras capable d'affronter
tout ce qui se passe dans le mariage. Parce qu'on peut vous enseigner comme on veut le mariage, mais la pratique, c'est à l'intérieur. Et une fois qu'on est à l'intérieur, écoutez, tous les jours, ce n'est pas rose, mais est-ce que vous allez l'accepter? Venez le 10 juin, écoutez ces mamans formidables. Donc, il y aura maman Jeannette, il y aura maman Léontine et il y aura maman Blanche qui seront là. Et alors là, elles vont vous prêcher comme jamais quand vous allez sortir de là. Si votre mari était parti, s'il ne revient pas, c'est que les mamans, elles n'ont pas prêché. Mais parce qu'elles vont prêcher, animées par le Saint-Esprit, moi, je le crois, que si vous mettez en pratique ce que ces mamans vont vous enseigner, cet homme-là, même si là-bas, on lui sert la télécommande sur un plateau, il reviendra là où la télécommande, il doit aller chercher lui-même. Parce qu'il saura que Dieu est véritablement chez cette femme-là et non pas sur le plateau avec les télécommandes. Alors, je vous aime bien et on se retrouve très prochainement. Merci à la technique. Et n'oubliez pas Casarema School du 27 déjà prochain. Mais alors, on vous attend. Inscrivez-vous, très nombreux, du 27 au 15 juillet et du 9 septembre au 30 septembre, chaque samedi, de 10h à 14h. Appelez au 01 43 03 08 32 pour votre inscription. Je vous dis merci et déjà à très bientôt. Bye bye. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Bonjour chez vous, c'est Lise Manzambi. Désormais, suivez les programmes de Casarema sur la chaîne OM5 TV. Le vendredi à 19h, les samedis à 12h et les dimanches à 19h. Ne manquez pas, suivez désormais tous vos programmes. Casarema Live, un programme qui transforme des vies. La femme sage, une émission qui restaure la famille. Témoignage choc, une vérité qui vous donne la victoire sur tous vos combats. OM5 TV, disponible sur Orange, Canal 362, Freebox 477, Bouygues Télécom 449, SFR et Numéricable 907, Câble Antilles Box 51, ADSL 88. Sur la chaîne OM5 TV. Soyez au rendez-vous. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Casarema, la montagne de l'Éternel. Gagner, édifier des âmes, c'est notre passion. Casarema détient l'exclusivité de la visibilité dans le monde francophone et jusqu'aux extrémités de la terre. Casarema, une marque, un réseau, des entreprises qui révolutionnent la francophonie. Casarema vous apporte la nouvelle technologie. Casarema vous apporte l'espoir et qui vous donne des conditions pour réussir. Casarema, c'est le remède à tous vos échecs. Casarema vous invite à augmenter votre visibilité. Casarema vous offre l'opportunité de devenir puissant et meilleur. Casarema vous offre l'opportunité d'illuminer votre ministère. Casarema peut faire de vous un authentique leader de masse. Casarema, le réseau qui changera votre destinée. Casarema, une institution culturelle qui propulse des hommes à devenir des acteurs de haute influence. Avec Casarema, vous êtes condamné à réussir. Faites comme nous. Rejoignez Casarema, le site chrétien numéro 1 de la francophonie. Visitez-nous sur www.casarema.fr. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr.